À Blois, la mobilisation des étudiants continue. Les 150 élèves de l'École nationale supérieure du paysage sont en grève depuis quelques jours. Ils réclament que le titre d'ingénieur soit conservé, titre que l'école est la seule à décerner en France. Et pourtant, le conseil d'administration a un autre projet, instaurer le diplôme d'État, l'équivalent d'un master. On écoute une jeune étudiante en troisième année. On se mobilise pour faire valoir notre identité, l'identité de notre école, portée par un titre, celui d'ingénieur. C'est une formation spécifique, pluridisciplinaire, riche, plurielle et qui offre également des débouchés qui sont de plus en plus reconnus dans la profession grâce à ce mélange, grâce à ces sciences de l'ingénieur mêlées aux sciences du concepteur.